Dans la voiture, non, non.
s'avère des plus synchronisés, des plus homogènes. Vous pouvez les saluer avec un coureur britannique, un coureur irlandais installé sur le devant de la scène. Le passage à 3 tours de l'arrivée et 3 tours du finish. Thank you.
Puisque l'accueil qui sera des plus chaleureux, mon cher Grégory, donc, l'heure de vérité dans un petit instant, je vous laisse œuvrer, vous êtes le régional, l'accueil qui sera des plus chaleureux pour l'arrivée, et ici du côté de Plomavert. À l'arrivée de la première étape avec le sprint qui est lancé de très très loin, avec victoire d'étape qui va être étincelante pour les 10 présents. À l'avant, une démarche qui a été très très belle, une sensation qui a été des plus superbes, et notamment l'avantage pris par le coureur irlandais qui était présent dans cette échappée. Il s'impose dans la première étape du coureur irlandais qui vient de saisir la chance qui lui était offerte, celle de s'imposer. Aujourd'hui, on va rester attentif parce que le peloton nous rejoint, mon cher Eric, avec le peloton global qui va se présenter pour une belle place d'honneur, qui aura réussi à réduire cet écart de bonnes sensations pour la journée de demain. On sera dès à présent, ce sera l'arrivée au sprint également pour les autres places d'honneur. Dès à présent, l'arrivée aux abords de ce podium d'animation. Avantage, alors, on sera du moins donc au niveau du sprint du peloton, pas de soucis puisque c'était ici le sans faute avec Pierre Cordelier, le coureur de la sélection du comité Ville-et-Vilaine, qui avait remporté de nombreuses victoires, que ce soit sur la route, mais également en cyclocross avec de jeunes coureurs. Donc, on doit servir au 91.